Je dis merci à chaque grain haïtien, chaque grain haïtien qui te baillou à fond dans la campagne ça pour te permettre que moi remporter prix public là. Il faut dire que moi très reconnaissante et moi dis aussi merci à tout le monde qui t'est prend ça yo, le moi t'ai relé pour moi dire qui ça vous pensez de tel sujet, qui t'est vraiment baillou à fond pour partager fond l'esprit yo avec moi, fond l'idée yo avec moi, pour moi c'est beaucoup. Et moi très reconnaissante, merci, vraiment merci. Moi remercie nous parce que nous rendons moins fier et que moi pense que autant que moi rend nous fier, nous rend moins fier. Et moi d'autant fier parce que la présidente du jury après que les films ben moi prix public là, lui dit clairement que tu as eu l'appréciation du jury. Est-ce que tu as là aussi sans prix du jury? Et pour moi, ça traduit tout travail que moi fait, ça traduit à quel point que le travail a été plus ou moins intéressant. Le travail a été intéressant, pas plus ou moins. Merci beaucoup. Mon discours, pour t'avoir dit, c'est un choix qui risquait. Moi, pensais que c'est des blocages jusqu'à présent, des séquelles de la colonisation. Puisque moi-même, je crois dans la liberté d'expression. Je crois que c'est dire la vérité. Et c'est que nos démarches universelles, nos démarches universitaires, c'est dire la vérité pour que nous passions et pour nous passer à autre chose. Et pour moi, c'était un très beau discours qui m'a été fait. Et jusqu'à présent, si j'aurais à refaire un discours, un éloge pour Toussaint Louverture, je ferais autant. Puisque un discours, un éloge, moi apprendre ça avec coach moi, M. Nathan Laguerre, il n'est pas supposé plat. Leur font éloge, soit fait éloge de Roseman, on va dire, Roseman t'a fait ça, Roseman pas te fait ça, et mais qui ça, ça t'a fait, t'es utile. Et c'est ce que j'ai fait avec Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, moi, comment c'est présenté, il fait un pile, belle bagaille, il bataille pour la liberté. Et le mot fin dit, il bataille pour la liberté, moi, dit, mais qui ça, en fait, mais qui problème Toussaint Louverture t'a gagné? Son monde, que moun pas vraiment comprendre, ni, il divisait, nationaliste haïtien yo, parce que y a des gens qui dit que ça t'a fait, il pas fait pour Haïti, il y a ça qui dit ça t'a fait, il pas fait pour France. Et au final, moi dit dans l'état actuel nous hier, mais qui ça y un discours de tous ces ouvertures, mais qui ça le capoter pour nous pour améliorer conditions vie nous, pour l'améliorer monde là. Pour moi c'était un discours qui était pas mal dit parfait, pour moi c'était bien fait. Très bien fait. Quand même, plus sorry. Et depuis où est liberté, où est esclavage, où est traite, où est Toussaint Louverture, où est Dessalines. Donc, le voilà. Mois, mais en tout cas, ligons sens avec période, moment côté final de la fête. Là, je pensais que c'était un choix extraordinaire. Donc, merci Roseman. Nous, pas pour être trop, deux petites questions pour nous finir. Roseman, après tout ça que nous sommes dit là, nous t'avons connaît qui ça qui était plus compliqué pour vous. Dans la compétition. Ça, on me pose une question, c'est parce que nous connaissons certainement des jeunes haïtiens qui ont gardé là, qui probablement l'année prochaine pourra participer dans le concours ça, pour capable qu'on ait, qui ça a tenu en tout cas. Il faut dire que pas gagné, soit pour réaliser dans la vie ou qui pas gagné, difficulté là-dedans. Mm-hmm. Dans la compétition, il n'est pas vraiment facile, et surtout, le témoignage pour moi choisi, moi-même personnellement, il loge pas moi. Au départ, moi, je voulais faire éloge Vertière. Qui symbolisait espace côté plusieurs esclaves, plusieurs un groupe monde te dit ben là nous avons fini avec les affaires esclavage pour que nous gagnions liberté. Et pour moi Vertière symbolisait le tribunal du triomphe de la liberté, le symbole du triomphe des droits humains. J'ai abandonné Vertière pour diverses raisons. Il y a des gens qui étaient vraiment inquiets, qui me disaient, belle humaine, tu sais, c'est beaucoup trop polémique, Vertière. Il ne fallait pas prendre un sujet aussi polémique. Il y avait d'autres propositions, Toussaint Louverture, Christophe, Dessalines. Christophe, bien sûr, c'est un héros national. Pour moi, Christophe, comme Caproise, ça me dit beaucoup. Mais j'ai pu regarder que Christophe, lui-même, il était seulement le dirigeant, le roi du Nord. Donc c'est exclure une partie de la communauté haïtienne en parlant de Christophe. Mais Dessalines, est-ce qu'il fallait parler de Dessalines, du père de la nation haïtienne? Donc j'ai voulu parler de Dessalines. Mais je me suis dit, si j'aborde Toussaint Louverture, je pourrais parler de tout ça. Je pourrais parler de Toussaint Louverture, je pourrais parler de Dessalines, je pourrais parler de Christophe, je pourrais parler de Vertière.
Donc, tout cette ouverture m'a donné la possibilité d'avoir cette ouverture-là, de parler de tout le monde. Donc, en fait, de parler de ce que je voudrais, en fait, sans vraiment rester sur l'une de ces propositions. Donc, tout cette ouverture était pour moi et à mon sens, et au vu de plusieurs autres personnes, le choix idéal pour la compétition internationale. Quel problème m'a été gagné, c'est l'heure pour m'a été déplacée. Il faut dire que candidat international, il y a deux choix. Il y a une possibilité pour venir en France pour participer ou encore rester dans le pays. Mais s'il y a venir en France, l'université n'a pas pris en charge. Il n'y a pas fait pour vous. Si vous voulez venir, venir, attendre pour participer, si vous voulez venir, il n'y a pas intéressé. En fait, ce n'est pas milieu qu'il n'y a pas venir. Et il y a le Bureau des droits humains en Haïti qui m'a dit, ben Luman, je voulais que tu participes à la grande finale en présentiel. Je tiens à remercier le Bureau des droits humains en Haïti. Qui fait que moi vive cérémonie ça en présentiel, qui fait tout au moins moi trouver l'autre argument, puisque espace côtoyer, ils ont inspiré pour tout. Le moins annoncé ce qui a été dit au Jardin de Luxembourg, c'est pour ça que moi t'as non visite dans le Jardin de Luxembourg. Moi vois que gagné ils ont écrit dans le Jardin de Luxembourg que dans la colonie française, les colonies françaises fait que ils ont écrit droits humains avec une grande lettre, en lettre d'or, l'universalité des droits humains. Et ça fait que moi dit, ah là, je vais renforcer mon argumentaire parce qu'il y a été au Jardin de Luxembourg. Donc, et j'avais pas compris non plus cette affaire de terrasse, c'est comme m'advenir en France, pour que me comprenne terrasse là, c'est à côté, c'est le monde qui a mangé dans la rue, enfin, j'avais pas compris tout ça. Lorsque j'ai vu l'éloge de terrasse, ça me disait rien. Et c'est le voyage qui m'a permis de comprendre tout ça. Le pour moi venir, c'était beaucoup de difficultés lorsque moi à l'ambassade là. Yo dit moi à l'ambassade là en jeudi, yo dit m'être venir prendre et passeport moi lundi pour que moi parti pour que moi quitter Haïti le 21. Et le vendredi matin pendant que j'étais au travail, on m'a appelé pour me dire Luman, il faudrait que tu sois en France d'ici le 17 pour faire une quarantaine. Et de là étant, on était vendredi. Moi tu t'as supposé quitter Haïti samedi. Donc, imaginez quand c'était pression, ça va où? Pour péter courir, ranger valise, mettre gage au gain tout passe-papier ou porton. Et il y avait mettre l'État qui a récupéré mon passeport, à l'ambassade qui vaut pour moi. Moi, j'étais supposé sortir Haïti pour que moi aller République Dominicaine. Et dans vol 7 heures. Pour faire court et, voyage, là. L'organisation du voyage. L'était faite non seul jour. Il fait non seul jour. Puisque en vendredi, moi j'ai pour aller samedi. Donc en vendredi matin, pendant que moi j'ai un travail dans 8 heures, je connais pour moi aller au Dominicain en demain. Donc en demain à 7 heures. Et en fait, en demain à. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de vol direct. Donc moi j'ai supposé passer pour la Club Dominicain. Et moi j'ai pris un bus à 9 heures du matin. Malheureusement, le jour J, il n'y avait pas de vol à 7 heures dans avion parce que par exemple, d'avenir dans l'avion. Donc j'aurais obligé d'attendre 9 heures pour gagner vol 9 heures parce qu'on arrivait dans l'aéroport cap-haïtien à 9h45 qui fait que moi obligé à Darbon pour que moi prenne machine pour me rentrer Santo Domingo pour que moi vienne le lendemain en France. Donc c'était vraiment vraiment compliqué mon voyage. En arrivant, je devais prendre mon vol. Mon test de coronavirus n'était pas acceptable parce que j'ai fait un test antigénique et on m'a demandé un PCR. Et malheureusement, je ne parle pas anglais, je ne parle pas espagnol. Tout le monde qui est dans l'aéroport là, ouais, parlait presque uniquement espagnol. Et là, c'était un petit peu compliqué. Heureusement, il y avait Google Translation, en fait. Google qui a pu m'aider un petit peu. Mais je pense que c'est une vraie leçon d'apprendre d'autres langues. Et j'encourage les autres personnes à le faire aussi. Bien sûr, très bien. En tout cas, merci, jusqu'à la dernière minute. Et vous nous avez fait rêver, en tout cas. Nous, toutes les petites archives, encore une fois, nous sommes très, très fiers. Ou même qui gagne pour venir participer dans un concours, ça, bah, c'est Rose Luman, Lila, probablement, ce sera votre coach, Marc. Ce sera vraiment un plaisir, de toute façon. Apprends-nous en pile bagaille. Merci infiniment à nous toutes net. Merci infiniment à chaque grain de nous qui t'a voté pour Rose Luman.
et quitter, partager vidéo quelque part sur WhatsApp, sur Facebook, sur Telegram, un peu partout pour te motiver l'autre monde voter pour Rose Humane. En tout cas, Rose Humane, merci en pile. Second dernier mot que vous voulez voir, bah, chaque haïtien capteur de là, surtout si là qui t'a suivi, qui t'es passionné, franchement qui pas de dormi t'attend un jour ça. C'est qui ça le tapier? Je dis merci à chaque grand haïtien qui te baillou à fond dans campagne ça pour te mettre que moi remporter prix public là. Il faut dire que moi très reconnaissante et moi dis aussi merci à tout le monde qui t'est prend ça yo le moi t'ai léo pour moi dire qui ça vous pensez de tel sujet qui t'est vraiment baillou à fond pour partager fond l'esprit yo avec moi fond l'idée yo avec moi pour moi c'est beaucoup. Et moi très reconnaissante, merci vraiment merci. Moi remercie nous parce que nous rend moins fier et que moi pense que autant que moi rend nous fier, nous rend moins fier. Et moi d'autant fier parce que la présidente du jury après que les films ben moi prix public là, lui dit clairement que tu as eu l'appréciation du jury. Est-ce que tu as là aussi sans prix du jury? Et pour moi, ça traduit tout travail que moi fait, ça traduit à qui point que le travail a été plus ou moins intéressant. Le travail a été intéressant, pas plus ou moins. Merci beaucoup. Très bien. Mesdames et messieurs, la famille, la très grande famille de Unissons-nous, merci en pile parce que nous t'es accompagné, Rose Humane, et merci infiniment parce que par contre, nous apprécier travail, hein, il faut que le t'ai fait pendant toute compétition, ça. Nous t'ai demandé pour t'ai chercher, pour t'ai parler avec les bonhommes. Eh bien, moi chercher, moi joindre, et espérer que vidéo ça, l'a fait nous plaisir, et que n'a partagé avec tous les amis, nous, un peu partout, à travers le pays, le monde, par contre, pour que l'autre monde qui peut co, ouais, Rose Humane, yo capable, well. Surtout, en dehors d'une compétition. Je vous aime, pas j'aime oublier ça, et merci encore.